Je suis impatiente de jouer le petit chaperon arc-en-ciel. C'est l'histoire d'un toutou qui va rendre visite à sa grand-mère. La 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 la. Oh, quand tout à coup, un grand méchant loup arrive et tente de manger ses friandises. Josh, toi tu vas jouer le rôle du bûcheron. Et toi Blue, tu vas jouer un animal de la forêt, un petit oiseau. Waouh! Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, et qui va jouer le rôle du grand méchant loup? Oh non! C'est vrai que je n'ai personne pour jouer le grand méchant loup. Et c'est un rôle très important. On ne peut pas faire la comédie musicale sans lui. Qui pourrait bien jouer le rôle du grand méchant loup? Nous allons jouer au jeu de Blue afin de découvrir qui va interpréter le rôle du grand méchant loup. On va jouer au jeu de Blue, car ce jeu est super. Oui, petit rappel, Blue laissera des empreintes sur les indices. C'est le jeu de Blue. Voilà, nous sommes bien installés dans le fauteuil à idées et il est temps de réfléchir. Donc, nous cherchons à découvrir qui va jouer le rôle du grand méchant loup. Et nos indices sont... chanter. Ouais. Oh, danser. Et... un ami. Donc, qui va jouer le rôle du grand méchant loup si on a pour indice chanter, danser et... un ami? En tout cas, celui qui va jouer le rôle doit être un excellent chanteur. Tout comme toi. Et aussi un excellent danseur. Tout comme toi. Et ce doit être un excellent ami. Tout comme toi. Attends un peu. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Parce que là, moi, je suis en train de me dire que la personne idéale pour jouer le rôle du grand méchant loup, c'est... moi! Oui, c'est ça! La personne idéale pour jouer le rôle du grand méchant loup, c'est toi! On pouvait prendre la grande route, suivre les rues, mais je sautais dans la forêt à manger dans le panier, vers la maison de grand-mère. La maison de grand-mère. Vers la maison de grand-mère. La maison de grand-mère. Oh, attention, ça va être à toi juste après. On va te mettre ton costume de loup. Voilà, ça y est. Oh, sans oublier les lunettes. Oh, prêt à entrer en scène. Chante comme à la répétition et tout se passera bien, d'accord? Je serai à tes côtés, donc si tu as besoin de quoi que ce soit, compte sur moi. Tu vas entrer sur scène en ami, mais tu vas revenir en star. Oh, je suis tellement fière de toi. Viens vite. Amuse-toi bien. À tout à l'heure. Oh grand-mère, quels grands yeux tu as! C'est vaut mieux te voir, mon enfant. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Grand-mère, quelles grandes dents tu as! C'est pour mieux manger tes friandises! Mais enfin, le loup! Tu n'as pas besoin d'être un grand méchant pour pouvoir manger nos friandises. On peut très bien les partager. Le panier de pique-nique n'est pas grand, mais il y a plein de choses à manger dedans. Oui! Oh, maintenant, on va faire la danse de fin. Tu viens? Fantastique! Balance, balance, twist, 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 glisse et pirouette. Balance, balance, twist, 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 glisse et pirouette. Tout s'est passé comme c'était prévu pour nous et le petit chaperon arc-en-ciel. Youhou! C'est un succès! Merci, merci beaucoup! Oh, génial! Je te remercie. Tu nous as vraiment aidés aujourd'hui. Viens saluer le public avec nous. Tu l'as bien mérité. Oh, papa, papa.